attends, mais juste une petite sirène. Ah ouais. Il est hanté, il est hanté, il est malade. Monsieur. Oui. Monsieur, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je viens d'arriver en ville, en fait mon avion vient d'atterrir. Vous direz, monsieur, peut-être de devenir travailleur pour la police. Pour la police? Allez, venez. Ah oui, monsieur, je vous offre un emploi. Je vous offre un emploi, monsieur, merveilleux. Vous avez un très bon salaire qui est de 75 000 euros par année. 75 000 euros. Vous êtes payé 1200 euros par semaine. Et regardez, je vais venir vous montrer quel est votre travail. Donc pour commencer, vous allez travailler au stationnement et vous. Mais monsieur, venez, je vais. Mais je moi, vais je aller pas. Vous montrer votre travail. Mais votre, je veux pas. Wouah. Elle veut pas. Elle roule. Elle pas dedans. Ça te dit, on se fait un braquage de banque. J'ai un camion. Ah non mais le mec, genre j'arrive sur le Discord, il est 21h12, le mec me propose un braquage de banque. Bien évidemment c'est un oui. Ah oui. Putain. On a jamais réussi gros. Est-ce qu'on a déjà réussi un braquage dans notre vie au moins? Non. Donc oui. J'écoute. Si. Ah ouais. Si tu sens moins, au moins deux. Plein de fois. Au moins plein deux. De fois, gros. Mais deux. Tu crois que j'ai des noms? Alors c'était aujourd'hui 6. Petit clin d'œil ça. Oui. C'est pas ton anniversaire? Bah si. C'est janvier. Attends, je vais quand même lui demander si c'est vraiment ça. Oh, on pourrait créer une secte. On avait fait une secte une fois et on n'a pas enregistré. Tu te rappelles de la secte ou pas? Oui, mais c'était pas sur serveur là, ouais, c'était sur serveur. Il y a un an quasiment. Mec, putain, t'avais même pas record le ouais, truc trop marrant qui s'était passé. Tellement bien. Tu sais, des fois ça me manque et tout. Non, t'as eu. Je te connaissais, j'étais mieux, mec. Toute petite voix. Mais d'accord, tu m'as pas connu quand j'avais ma petite voix, mec. C'était il y a 2 ans, ma voix je l'ai eu en 4ème. Non, ouais. Salut à tous, c'est Gamer49000. Yo tout le monde, c'est Gamer49000 et je suis tout seul pour ce défi numéro 8. Oh my god! Il est 22h35 et il devait aller se coucher. Narmoul. Oh my god! Aujourd'hui, vidéo Minecraft, on découvre des serveurs. Alors, vous avez été nombreux à le demander, vous étiez moins 0 quoi. Merci pour les 20 abonnés. Alors, dédicace à Georges qui m'a demandé en commentaire de la dernière vidéo. Et son petit frère. Ouais. Pas toi. Ouais, vas-y, parce que j'ai un pas toi. Sors tout de suite. On est ensemble. On est gars. Ouais, mais sors. Tu peux me passer de l'argent, s'il te plaît? Parce que tout à l'heure, t'as pas voulu, mais là, on est en dehors du magasin. On peut pas se faire voler. Oui, bah attends, 2 secondes. Juste 2 minutes. Je suis le mec. J'ai pas. Là, du coup, l'arme est pas sur moi, elle est dans ma pocket. Bon, écoutez, monsieur, ce que je vais faire. Prends l'arme pendant que je parle. Est-ce que vous avez pas d'emploi? Vous avez rien du tout? Bah non. Vous avez pensé à aller au Pôle emploi? Pas d'emploi. Mais vous avez pas de famille? Du coup tu deviens chiant, du coup tu vas te casser vite fait. Merci. Bah non, j'ai pas de famille, mec. Vas-y, tu le. Bah, de toute façon, personne ne vous pleurera alors. Tu peux le tuer quand le live, si t'as envie. Oui, mais donc, je suis quelqu'un de sympa, donc. Non, mais j'ai pas eu, en vrai, je suis comme un gitan, c'est comme le Joe. Des coups de poing à lui. Des coups de poing à lui. Derrière toi. Vas-y, occupe. Ok, monsieur. Ok. Vas-y, tue-le. Ah, il me tue. Tue-le. Non, putain de sa mère, la grosse rage des chiens. Ok. Je bouge pas. Je vais contre le mur. Putain, il m'embarque. Tu veux rire, toi? Tu veux ramasser la savonnette? Putain, à chaque fois qu'on fait un truc, ça tombe toujours mal. Y'a pas un autre jeu où on peut jouer à RP qui est aussi bien? GTA. Ouais, je l'ai, mais on va galérer, mon gars. D'accord, bah, c'est comme ça. Donc, monsieur, je pourrais savoir déjà pourquoi votre collègue a tué quelqu'un avec son arme. Attends, c'est alors, monsieur, je vais vous expliquer tout ce qui s'est passé de A à Z. En fait, mon ami étant présent, s'est donc acheté une arme. Dans le but de base c'était de l'airsoft. Et en fait, il y a un mec depuis 2 heures qui nous suivait. Bah, le mec avec la guitare là, qu'il a tué. Et bah, il nous suivait depuis 3 ans. Et chaque fois, il voulait de l'argent. Il nous jouait des. C'était insoutenable. C'était un psychopathe, le mec. Et du coup, on en a eu marre. Et mon pote, il a les nerfs à flot. Vous voyez, sa famille, elle est pas très bien. Tout le monde s'est suicidé à cause de lui. Enfin, c'est tout un bordel. Du coup, bah, il a tiré. Et moi, oui, j'étais juste. Monsieur, pour ça, on peut pas appeler. Pardon? On peut pas, monsieur, appeler la police, juste. Bah, là, vous allez quand même tuer. Ça vous dit c'est pas moi. La police, ce sera bien, monsieur. On mettra en prison, il y aura une amende, monsieur. Bah, vous savez, la vie, c'est pas facile.
Il a eu une enfance très difficile. Il a tué quelqu'un, certes, mais pour lui, ça fait du bien. Moi, de mon côté, j'y peux rien. Il vient juste de sortir de l'hôpital psychiatrique, hein. Je vous dis ça, j'arrive. Bonsoir. Bonsoir. Et t'es qui? Bah ouais, vous l'avez tué. Excusez-moi, monsieur, je cherche les toilettes. Vous pouvez m'accompagner? Non, c'est bon, ça ne m'avait rien. Par contre, vous, ce sera juste une amende parce que vous êtes complice avec votre collègue qui est mort. Mm-hmm. Donc, je vous demanderai de payer juste une amende de 500 euros seulement. D'accord, ça marche. Bah quoi? Oh, ah oui, bah tu me fais prendre. Oh, j'ai une radio. Attends, je vais demander une licence d'arme. Mais on s'en fout de la licence, on n'a pas le temps. Mais comme ça, je suis tranquille, moi. Mais je... on veut pas. Je viens voir le maire pour une licence d'arme, s'il vous plaît. Je sais pas pourquoi Julien il veut. 5000. Il veut, voilà, tu vois, en plus on se fait niquer par le maire. Bon, bah j'y vais. Ah, je suis pas mort, hein. Bonne journée. Le même. Texture rose, j'ai mode. Il a droit. Tu... Attends, deux secondes. Oh, bien, ça... L'ascenseur il monte, il y a l'ascenseur, il est descendu en bas et il arrive. Il te menace? Bah ouais, le maire. Quel enculé. Petite pute. Eh, gros, il descend là, il est en train de monter. Bah voilà. Mais putain, il y en a qui l'a rappelé là, fait chier. Vas-y, j'arrive, je vais les tuer en bas. Bon, attendez. Mais non, mais vous avez pas me buter, attendez, j'ai mes collègues qui arrivent, vont descendre ceux qui sont en bas là parce qu'ils commencent à me faire chier. J'ai pas que ça à faire, moi je suis venu pour une licence d'armes. Mais vu que je peux pas et que j'ai pas l'argent, et ben je vais redescendre et voilà. Oh, faites pas ça. Si tu appelles un admin parce que ça va être trop la mort. Fais gaffe, si tu me tues, j'appelle un dieu, fais gaffe. Mais what the fuck quoi, les mecs ils tuent parce que l'ascenseur n'arrive pas, non mais what the fuck. Je peux pas descendre plus vite si quelqu'un descend l'ascenseur. Et fais gaffe à ce que tu fais parce que les dieux ils vont s'énerver hein, je te dis. After, est-ce que je peux avoir à manger ou pas? Ouais. Une. Ah, c'est mon AKSA, pardon. Tu veux la manger? Ah, c'est un petit peu un goût de métal. Vous avez trouvé la salle des coffres? Alors, le problème c'est qu'on est obligé d'avoir le mec avec le pied pour pouvoir ouvrir les petits coffres. Regardez. Ah mince. Là, ici là, il y a des petits cadenas. Et faut les ouvrir avec des lockpicks. Ah d'accord. Du vieux sang. L'éviance. Ma violence. L'éviance. Oh. Run, stop. Oh, stop. Fuck. Je t'ai dit, tu peux braquer le pain. Hein? Là, tu peux. Ah, allez. Tu peux pas braquer le chef. Vas-y. Quoi, on peut? On est pas vrai, on a le droit de braquer les mafieux, etc. En fait. On peut braquer nos propres mafieux? Eh, Julien, viens par là. On y va. Go. Non, regarde, y'a des gens là-bas. Ah non, merde, je suis pas avec les bons mafieux, merde, je suis con. On est à la montée, on monte. Attends, là j'ai une pizza au passage, je la ramasserai. Ça marche, je te laisse dans la montée. Ah ouais, je la vois. Eh, t'as moi. Ouais, je te vois. Non, c'est ouvert, les gars. Non, venez, on braque la banque, on s'en bat les couilles. Ouais, ok. Bah ouais. Allez, putain, elle a déjà été braquée. Ah ouais? Ah, je crois que c'est. Non, je crois qu'il y a encore 25 000 là-dedans. Oui, celui-là, il est open. Ok. Bah, c'est pas assez. Celui-là il est ouvert, mais pas celui-là. Soit tu mets une rive, soit tu mets une explosive. Ouais, c'est avec toi, Arthur, que j'avais mis. Genre, t'avais fait péter un C4 que je t'avais donné. Oui. Bon, bah les gars, je suis en train de braquer la banque. C'est vrai, bah attends, j'arrive, je suis à côté. Mais attendez, j'arrive. Si vous voulez, attendez. Oh, j'ai la thune. Comment on prend la. Ah, comme ça. Eh les gars, j'ai la thune. Chut, pas de bruit. Aide-moi. Bah, ça sonne pas, fais pas de bruit. Mais le problème c'est que j'ai un sac dans le dos, triple idiot. Mais non, je le vois pas. Ah si, arrête, cache-toi. Par contre, vous aurez dû y aller. Mais il y a un peu pas. Un véhicule. Non les gars, vas-y, on y va, allez. Attends, bah ouais, vas-y. Là-bas, il y a l'agent. Je crois qu'il m'a vu. Il m'a vu. Ah, il y a un gars derrière. Il y a quelqu'un. Excuse-moi, tu peux reculer. Recule, s'il te plaît. Recule tout de suite. Oh le pauvre. On lui a dit recule. Ouais, bah oui, je me dis bien. Il essaie de te pousser. 22 000, c'est quoi ça? Oh! Il y a de l'argent? À moi le bazooka, les gars! C'est un sac d'armes, gros! C'est un sac d'armes de la banque! C'est quoi? C'est 4! Eh, mais on va. Eh, suicide au comico, les gars! C'est pour moi! Ouais, mais d'abord, mais d'abord, l'argent! Je crois que c'est la plus grande chance que je vois parce que. Mettre un sac de braquage de banque en même temps trouver un sac de braquage de comico à côté, waouh. Sans avoir les flics au cul. Allez, C4. Putain, mais allez, ouvrez la putain de porte. Je dois vite poser mon argent et mettre la bombe. Et allez. Il y a un flic, ah il s'est fait rater. Vous sentez l'odeur de l'explosif? Allons faire sauter le comico. Ah mais est-ce qu'on l'a pas? Le maire, il est là, le maire. Non, c'est bon, il va bien. Mais je veux pas le maire, je m'en fous, moi. Ouais, mais il faut tuer des gens aussi, hein, il faut... Bah, s'il y a beaucoup de mecs... La personne la plus importante de la ville, là. Bah ouais, mais si je le tue sans raison, bah faut voir ce qui... Allez, du coup, on se rejoint où, comico? Ouais, comico, ouais, bah, on va tout exploser. Eh, hey, rendez-vous, tous les abonnés du serveur qui m'écoutent, venez tous au comico. Bon, pas les reins. Suicide collectif, les gars. Il se passe quoi ici, là?
Monsieur, c'est le patron Tristan. Ouais, c'est un patron. Bah, écoutez, monsieur. Monsieur, regardez. En fait, je vous ai. J'ai trouvé une boîte. Non, non, on va l'exposer. Ah, bonjour, monsieur le maire. Donc, monsieur, j'ai trouvé une boîte suspecte et je voulais vous en parler. Regardez, je trouve un truc chelou. Si j'appuie là. C'était Kimon qui est mort. Oh merde. Violent. Toute la thune. Il y a un mec qui était encore vivant, il a pris toute la thune. Oui, c'est moi. Je suis un stéréo.